Salut les amis, hola amigos, hello my friends, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et d'ailleurs je voulais vous remercier pour les likes et les abonnements que vous avez fait, vous êtes vraiment une communauté trop classe, vous avez de la classe. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager entre vous, ça m'aide bien. Pour vous ça coûte rien et moi ça m'aide bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour notre cher soldat, Gaël, le personnage préféré dans tous les continents du monde entier. Et c'est pas pour rien qu'il est le préféré, parce qu'il est vraiment trop puissant. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour quelques combinaisons de Gaël. Et après, on va passer au move spécial et tout ça. C'est la vidéo, elle va durer longtemps, je vais faire ça en deux parties. Une première partie, les petites combinaisons des touches et tout ça. Et une deuxième partie avec les moves. Commençons les amis. La première chose à savoir avant de passer par les combos des touches, c'est d'avoir le réflexe. Si vous allez commencer à jouer avec Gaël et vous voulez bien faire la main, à chaque fois quand on fait un petit combo, toujours le réflexe de la charge flash kick, il est prêt, sonic boom, il est frais. Si je dois faire sonic boom, je le sors. Si je dois faire flash kick, je le sors, les deux. Et ça nous arrive des fois qu'on peut se faire attaquer par au-dessus, on est obligé de passer derrière. Mais si vous regardez ici, je perds toujours pas la charge. La charge de sonic boom, je la perds pas. Pourquoi? Parce que je passe en diagonale à derrière direct. Et ça doit être un réflexe si vous jouez avec Gaël. Passons au petit combo. Le combo, on commence par le LP. Il est trop fort. Les deux, c'est pareil. On a le LP et après on a le LK. Et toujours ce combo là, essayez de le finir avec bas LK. Bas LK, pourquoi? Parce que quand je vais passer au mélange des touches, vous allez savoir pourquoi. Là, le bas LK. Ça aussi, ça marche. Et après, on a le MP. Double MP, ça marche. Bas MP, double MP, ça marche aussi. Ça marche. Là, on va passer au mélange. Le mélange, on a LK, bas LP. Ou bas LK, double LP. Et on fait les deux en même temps. Si vous n'avez pas regardé la vidéo où j'ai expliqué ça avec Ken et Ryu, vous pouvez aller la voir. Et c'est pareil pour le MP. Et c'est pareil pour le HP. Sauf que le bas HP ne sert à rien. C'est qu'on ne peut rien faire derrière. Le bas HP et le bas MK. On ne peut rien rajouter comme combo derrière. Ça, c'est le LK. On va passer au MP. Bas MP, bas LP, ça marche. Bas MP, double LP, ça marche. Bas MP, double HP, ça marche. Bas HP, ça marche, mais il ne sert à rien vu qu'on ne peut rien rajouter comme combo derrière.
peux rien rajouter comme combo derrière. Vu qu'au bas MK et bas HP, rappelez-vous, on peut rien rajouter comme combo derrière, du coup on évite, ça sert à rien. Et on a bas MK, bas MP. Et on a bas MK, double MP. On a bas MK, bas MP, LP, pardon. Pareil pour double LP, ça marche. Et on a bas MK, double HP. Ça marche aussi. Et on a bas MK, bas HP, ça marche aussi, mais il sert à rien ce combo là. Double MK, bas MP, ça marche. Ça aussi, ça marche. Double MK, double MP. Après, on a double MK, bas LK. Mais avec ça, on va pas laisser maigre comme ça, on peut rajouter ça. Par exemple. OMP, n'importe. Ça aussi, ça marche. Après, on a le piano. Ça, ça marche aussi. Après, on a le piano HP. Et on peut le faire debout aussi. Ça marche. Ça marche aussi. Le combo de plus de 3 coups, jusqu'à 4 à 5 coups. Celui-là, il fait partie des meilleurs combos que j'aime beaucoup. Il fait énormément de dégâts et vous pouvez choper des dizzies facilement. Et normalement, tous les joueurs de Guile, ils le connaissent et le pratiquent à 100%. Celui-là, il est énorme. Et après, on a le petit combo du bas MP. Ça aussi, ça marche à 100% et c'est trop fort. Toujours avec le bas MK. Ça marche aussi. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a dépassé les 10 minutes. Il y avait énormément de choses à apprendre et à savoir, à connaître. Du coup, je vous donne rendez-vous le samedi prochain pour une deuxième partie des combos Guile Street Fighter. Ce mercredi, je ne vais pas pouvoir le sortir. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur le joystick, sur la plateforme Fightcard, en plus de ça sur le mode entraînement. Du coup, je vais essayer de faire un bref pour répondre à ces questions. Merci d'avoir regardé les amis jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à partager entre vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À plus les amis.